ô phénix, de cette âme, cette flamme immortelle, allumée dans l'arbre sacré, Baha'u'llah. Que ma vie, mon âme, mon esprit soient offerts en sacrifice à ces humbles serviteurs. Au cours des derniers jours de sa vie terrestre, Abdul Baha a formulé la promesse la plus formelle que, par les ondées de la grâce divine et avec l'aide de l'assistance garantie par son royaume d'Abba, apparaîtraient des âmes et des êtres saints qui, tels des étoiles, orneraient le firmament de la direction divine, illuminerait l'aurore de tendre bonté et de générosité, manifesterait les signes de l'unité divine, brillerait de la lumière de sainteté et de pureté, recevrait leur pleine mesure d'inspiration divine, élèverait bien haut le flambeau sacré de la foi, se tiendrait solide comme le roc et immuable comme la montagne, et deviendrait des lumières dans les cieux de sa révélation, de puissants instruments de sa grâce, des moyens de dispenser l'infinie mansuétude de Dieu, des héros invoquant le nom du seul vrai Dieu, et des architectes posant le suprême fondement du monde. Ils œuvreront sans cesse, de nuit comme de jour, ne prêteront garde ni aux épreuves, ni aux infortunes, ne souffriront aucun répit dans leur effort, ne chercheront aucun repos, délaisseront tout bien-être et tout confort, et détachés et immaculés, consacreront chaque moment fugitif de leur vie à la propagation de la fragrance divine et à l'exaltation de la sainte parole de Dieu. Leurs visages rayonneront d'un bonheur céleste et leurs cœurs seront remplis de joie. Leur âme seront inspirés et leurs principes demeureront inviolés. Ils se dissémineront à travers le monde et voyageront en toute région. Ils élèveront leur voix dans chaque assemblée, orneront et animeront chaque réunion. Ils parleront dans chaque langue et interpréteront chaque signification cachée. Ils révéleront les mystères du royaume et manifesteront à chacun les signes de Dieu. Ils brûleront avec l'éclat telle une lampe dans le cœur de chaque réunion et rayonneront telle une étoile au-dessus de chaque horizon. Les douces brises issues du jardin de leur cœur parfumeront et raviveront les âmes des hommes, et les révélations de leur esprit, semblables à des ondées, revigoreront les peuples et les nations du monde. J'attends anxieusement qu'apparaissent ces êtres sacrés. Et partout, jusqu'à quand retarderont-ils leur venue? Je prie et supplie ardemment, à la tombée du jour et à l'aurore, que ces scintillantes étoiles déversent bientôt leur éclat sur le monde, que ces visages sacrés soient dévoilés aux yeux des hommes, que les armées de l'assistance divine remportent la victoire et que les flots de grâce
surgissent de ces océans célestes, se déversent sur l'humanité tout entière. Priez, vous aussi, et suppliez-le, afin que, grâce à l'aide généreuse de l'ancienne beauté, ces âmes puissent être dévoilées au regard du monde. Que la gloire de Dieu repose sur toi et sur celui dont le visage est éclairé de cette lumière étincelle qui émane de son propre royaume de gloire.